Voilà, ça va vous requinquer, vous allez voir. La fièvre est tombée, vous serez guéri dans 2 jours. 3 maximum. C'est nul l'hiver. Moi, c'était ma saison préférée. Avec mon copain Ruel, on se faufilait dans une des auberges de Bonta. Il y avait toujours un barde pour raconter une histoire. T'en connais avec des monstres et des batailles? Voyons voir. Un jour comme ça... Ah oui, ça serait pas mal. Est-ce que tu connais l'histoire d'Ogrest? Ah oui, c'est l'ogre qui provoque les catastrophes. C'est lui qui a volé mes chaussettes bouffe-tout. Et même que je suis sûre que c'est lui qui boulotte les confitures de l'auberge la nuit. Pauvre Ogrest, on lui met tout sur le dos. En fait, il existe des dizaines de légendes sur Ogrest. Mais moi, je connais la vraie version, contée par quelques bardes. Ça te dit? Tout commence il y a très longtemps, bien avant le grand déluge. Sur une île perdue tout au bout du monde, dans un village construit tout en haut d'un arbre gigantesque, vivait le plus grand alchimiste que le monde ait connu. Dans son laboratoire, il inventait potions et objets extraordinaires. Sa science magique était si grande qu'il était même capable de créer la vie. Ce génie s'appelait Otomai. Waouh ! C'est quoi cette jolie perle bleue ? C'est une ogrine, de la magie condensée. On les trouve dans la nature, mais c'est très très rare. Regarde ! Ce cœur, c'est celui de la poupée d'Atura. Oh, il est tout abîmé. Oui, mais Otomai va fondre les ogrines et s'en servir pour le réparer. Si tout se passe bien, le cœur retrouvera son éclat d'antan et se remettra à battre. Viens, Rochette, par là, on verra mieux comment il fait. Par la cornue d'or, une génération auriculaire spontanée. Bon, alors, comment allons-nous t'appeler? C'est important d'avoir un nom. Un nom simple et court. Voyons, né d'une ogrine... Ogrest! Ça sonne plutôt pas mal. Alors maintenant, je t'appellerai... Ogrest! Qu'est-ce que tu en dis? Tu as faim? Tu veux du lait? Eh ben, quel appétit! Oh.
prodigieux. Un estomac dimensionnel sans fond. Sûrement une nouvelle propriété de l'ogrine. Il faudra que j'étudie ça. Oh, oh là là, mon cou là. Thomas, inondation! Mais qu'est-ce que... Ce serait pas tes larmes par hasard? Occupez-vous-en. Et ne le faites pas pleurer surtout. Bien. Tes larmes sont beaucoup trop puissantes, tu sais. Alors il ne faut plus pleurer, c'est d'accord? Nous allons bien nous occuper de toi. Bienvenue parmi nous, Ogrest. Et c'est ainsi que naquit Ogrest. Le premier et seul ogre que le monde ait connu. C'est tout? C'est déjà fini? Ça ne fait que commencer, tu veux dire. Ogrest était né... Et Otoma, il ne tarda pas à découvrir qu'être papa, c'est autre chose que l'alchimie. J'ai pas mal roulé ma pierre et je peux t'affirmer que l'amour finit toujours par te tomber dessus. Paf! Pile quand tu t'y attends pas! D'ailleurs, ça me fait penser que je connais quelqu'un d'autre qui est vraiment seul au monde. Hein? C'est une des légendaires poupées du dieu Sadida. Regarde, c'est écrit ici. Datura, poupée divine au cœur brisé, tombée des cieux, abandonnée. Où est-il ce grand héros, cet intrépide? Obtiendra-t-elle de lui ce cœur qui du bourgeon fera une fleur? Cela fait des années que j'échoue à le réparer. Son cœur a été façonné à partir d'ogrine. C'est une matière magique très rare et j'ai épuisé mon stock. Ogrest va trouver ogrine pour aider Papa Otomaï à réparer cœur de Datura. Pourquoi pas? Ça ne coûte rien d'essayer, après tout. Hé, hey, Ogrest! Oui? Tu ne fais pas de bêtises, d'accord? Promis! Déjà? Non. Oh! Pas ça non plus. L'ogrine, c'est ça. Tu dois en trouver une encore plus grosse. D'accord. Oh. Hey, sors de là! Oh.
voir ton œil? Ogresse héros, il va sauver Datura même s'il est tout seul. Ce n'est qu'une simple bille de verre. Ogresse pas héros, ogresse monstre, ogresse catastrophe ambulance, il ne réveillera jamais Datura et restera seul. D'après moi, le trésor est forcément planqué là. Frérot, j'en ai ras les moustaches de serpérage. Passons à l'action. On fait tout sauter et on voit où est le trésor. T'as raison. Bah, en revanche, les explosifs sont dans le bateau. Et qui va les chercher? On choisit à pierre, feuille, ciseaux. Dac, celui qui perd y va. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Execo. 1, 2, 3. Pousse-toi, pousse-toi! Mal à la tête. Ouais, mais tu l'as toujours. Moi, j'avais parié que tu te l'étais fendu. De quel chapeau tu sors, gamin? Chapeau? Ogresse comprend pas. Il se souvient, les Moufafa. Puis il a volé comme un oiseau, et puis Bateau a pas voulu s'enlever du chemin, et paf! T'as réussi un beau doublé. Couler mon bateau et mon moral. Et voilà, encore une fois, Ogresse a tout caché. Ogresse est malheureux! Ogresse est une catastrophe ambulance! Écoute, gamin, tu miauleras sur tout ça plus tard. Là, il y a beaucoup plus urgent. Hein? Ouais, parce que ces crustorailles ne nous ont pas attachés ici dans le seul but de nous jouer la sérénade, si tu vois ce que je veux dire. Dieu et Caflip! Si tu dois nous donner un coup de patte, c'est maintenant! Ogresse responsable, il va se libérer et défendre Chacha innocent! Ogresse peut pas couper corde! Corde trop forte!
Heureusement que j'ai pas parié sur ce coup-là. Tout? Tout ça pour ça? Oh, Grace, t'as mal à la tête, il n'a pas du tout envie de jouer. Alors, petit Christophe, il ferait mieux de le détacher. Sinon, oh, Grace va cracher tout rouge et il va manger tous les Christophe. Le crustacé. J'espère que t'as vraiment très très faim, Angrist. Ce petit frangin qui veut parier sur le combat. Ça marche. Je parie 300 cabas que le petit met une raclée au cruston pas bon. Je relance 10 corvées que le petit se fait bouffer et nous avec. Ah mais non, si on se fait bouffer, c'est fini. Ne me dis pas que tu te dégonfles. Ah, non d'un chien, tant pis. Plus 10 corvées de vaisselle que le petit se fait bouffer et nous avec. Tu veux parier toi aussi? Ah, désolé Kiki, pas de oui, pas de pari. Ouh, ça doit faire mal. Eh oh, c'est pas fini. Allez, Crustopabo, coupe ce nabo en deux, fais-en de la pâté pour chien. Chat alors, mais quel chat acrobate. Vas-y, mon gros, cogne! Te laisse pas faire! J'avais dit, frangin, c'est pas gagné! Hé! Hey, oh! Oh non, ça devenait enfin intéressant! Allez, gamin, vise les yeux! Les yeux! C'est moyenne queue. Fais-moi plaisir, perds ce combat. Et lui, c'est Kiki.
En fait, il s'appelle Courte-Queue, mais comme il peut pas répondre, on l'appelle Kiki. Kiki, Courte-Queue muet. Il a parié qu'il pouvait se taire pendant un an. Ça fait 11 mois maintenant, mais on l'aura, c'est sûr. Celui qui gagne un pari devient le chef de la portée. C'est marrant et ça évite les disputes. Pour l'instant, c'est moi le chef. Chacha foufou. Eh mais tu vas où? Oh. Voilà, faut tout faire soi-même. Sale tricheur. On n'a jamais dit qu'on pouvait pas l'aider. Un plus. Merci, Chacha. Pas besoin d'aide, copain. Copain? Chacha veut être copain d'Ogresse? Ouais, copain. Allez, viens, on va se le faire ensemble. Ogresse content. Il a un ami pour la première fois. Je vais te servir d'appât. Le pari ne sera valide que si c'est toi qui donnes le coup de grâce. Pari? T'inquiète pas pour ça. Chacha! Le pari tombe à l'eau. Ogreste ! Ogreste ! Ogreste ! Oh, Tomaï ! Hein ? On a regardé partout, il est nulle part. Pauvre Petio, il était vraiment très triste. Oh oui. Bon, s'il n'est pas rentré ce soir... Quoi ? Demain, je partirai à sa recherche. Ça roule ! Ouais, mais tu te trompes sur un truc, gamin. Être un héros, c'est vraiment qu'une question de point de vue. Où ça? Je veux dire, t'as brûlé quelques maisons, la belle affaire. Ravage un pays entier et la légende fera de toi un conquérant. Ouais, suffit d'un barde un peu inspiré et de quelques chansons et paf, il transforme la pire des crapules en héros. Si ça se trouve, t'es même déjà un héros sans le savoir. Au fait, respect pour le pari que t'as fait concernant la petite Datura. Tu ne sais même pas si elle va se réveiller, et encore moins si ensuite elle ronronnera pour tes belles oreilles. En fait, ça revient à jouer ton tapis sans voir tes cartes, pour connaître que c'est poilu comme Paris. Ah, il t'aime bien. C'est rare qu'il aime quelqu'un. Pourquoi frère Chacha être là? En se dirigeant vers Astrum, nous avons entendu parler de cette île au trésor. Du coup, nous voilà. On a parié sur l'existence du trésor. Astrum? C'est une grande ville qui se trouve au nord. Là-bas, on peut trouver tout ce qu'on veut. Il y a des buffets énormes où tu peux manger autant que tu veux pour trois fois rien. Il y a des gâteaux aussi? Oui, bien sûr. Il y en a des montagnes avec des rivières de lait et des fontaines de chocolat. Ogresse adore les gâteaux. Il aimerait bien Astrub. Eh ben, on t'embarque. On prend la mer tous ensemble et direction Astrub. Si tu crois qu'il va quitter son île, tu rêves. Tu veux parier 200 camas qui vient? Ça marche, 200 qui refusent. Sur les marchés d'Astrub, on trouve des poupées mignonnes comme s'il en pleuvait. Ouais, mais ça coûte une fortune. T'as pas d'argent de poche, Ogresse? Mais moi, je lui en donnerai avec plaisir de l'argent de poche. Alors, qu'est-ce que t'en dis, hein, copain? Si tu viens avec nous, tu verras plus jamais ta famille. Rien ne nous empêche de revenir après avoir visité Astrub. Et puis tu vas leur écrire une lettre, hein? Ogresse aimerait bien, mais il sait pas, à partir comme ça, papa Otoma, il va s'inquiéter. Et en fait, Ogresse doit réfléchir. C'est pas gagné, frérot. C'est pas perdu non plus. Datura, Ogresse te rentre, il veut retrouver sa famille. Copain! Copain! Hein? Ah, t'es là. Désolé d'avoir insisté, copain. C'est juste que ça me ferait vraiment plaisir de t'emmener avec nous, tu sais. Enfin bon, t'as le temps d'y réfléchir. Au fait, je pensais,
Le green, c'est un peu comme une pierre précieuse, non? Demain, on va à la grotte pour chercher le trésor. Tu crois pas qu'on pourrait trouver des ogrines dedans? Mais malheureusement, le gros calamar qu'on a vu aujourd'hui habite près de la grotte. Et le seul moyen qu'on a trouvé pour l'éviter, c'est de passer par la barrière de corail. Bon, le souci, c'est que la barrière est infestée de corailleurs. Et je sais pas si à trois, on pourra les battre. Ah, ça! Si on connaissait un héros tout vert avec une force phénoménale, ce serait vraiment plus facile. Pour le récompenser de son aide, on lui donnerait les ogrines du trésor. Ah, hélas, les héros verts et costauds, ça court pas les rues. Ogresse costaud, ogresse vert, les monstres lui font pas peur. Ogresse pays des familles cherche à récupérer le trésor. T'es sûr? Ça va être très dangereux. Faut être un vrai héros pour oser un truc pareil. Ogresse héros! Merci, copain. J'aurais parié que tu dirais ça. L'odeur disparaît ici. Tu crois qu'il est tombé? Qu'est-ce qu'on fait, Otomaï? Bien joué le coup de Legrine. Tu gagnes une manche, frérot, mais pas encore le pari. Hé, hey, c'est tout gagné, frangin. On traîne pas. Les corailleurs sont partis, apparemment. Mais le Kralamour qui a chopé le crustopabo est toujours là, lui. Kiki, j'ai pas envie de finir en croquette à Kralamour. On y va, vite! Pourquoi il s'arrête? Je sais pas. Et crois-moi, je vais pas attendre de le savoir. Allez, viens, Ogresse. Reste pas là. Bah, où est le trésor? Oh là, patience, Ogresse. Les trésors se trouvent toujours dans une salle secrète, tout au fond. Comment on fait pour ouvrir une porte pareille? Il y a peut-être un piège. Faut faire patte de velours. Bizarre ma tête. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait encore? Là-bas. Le trésor. On est riche. On est riche.
comme une sorcière. Trop joli. Pas. Trop pas au green. Ah, regarde ça. D'accord, c'est bien, petit. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Viens. Hein? Mais c'est... Encore. Un dodo. Un dofus. Hein? Dieu, Icaflip, dis-moi que je rêve pas. Petit, passe juste un peu, juste pour voir. Donne-moi ça. Non. Le Green est à Ogrest. Il va pouvoir réveiller Datura avec. Hé, hey, copain, c'est pas plutôt ça, le Green? Je viens juste de le trouver. C'est peut-être ça, le cœur de Datura que tu cherches, non? Cette couleur, cette forme, c'est exactement comme tu me l'as décrit hier soir. Mais je peux me tromper. Allez, si tu veux, je peux te l'échanger contre ton truc, là, ton œuf de tofu jaune. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Cœur de Datura, Ogresse te fait échange. Ah. Oh, un dofus. Mais qu'est-ce qu'un dofus fabrique ici? Vous n'irez nulle part avec ce dofus! Qui est là? Papa Otomaï! Papa? Ce dofus est à moi, c'est moi qui l'ai caché là! Eh ben c'était vraiment une mauvaise cachette! Vous devez me le rendre! Même pas en rêve, qui chapard de garde! On est des pirates au cas où t'aurais pas remarqué. Dans ce cas, je vais vous apprendre les bonnes manières. Attends, papa! Chacha, copain! Chacha, on trouve cœur de Datura! Chacha, faire échange avec Ogresse! Tout à fait, copain! Donner ses données et reprendre ses volets. Recule, Ogresse! Mais, regarde! Ce cœur est en saphir, Ogresse, pas en ogrine. Et je t'assure qu'on ne pourra pas réveiller Datura avec un saphir. Saphir? Datura pourra pas se réveiller? Oh! Ah, de la classe! Par les moustaches des Caflips, quel démon! Ce sac, faut que je m'en débarrasse! Allez, frangin, allez! Thomas et Chacha font la bagarre. Ogresse, t'es triste. Allons bon, manquez plus que ça. Icaflip, tu plaisantes pas quand tu pleures, toi. Ça va, Otomaï? Notre adversaire a un dofus. S'il combat dur, il finira par avoir le dessus. À terre et manque. Hé, l'alchimiste, si on passait directement à la dernière manche. Continue, on ne pourra plus sortir. Hein? C'est le Kralamour! Il arrive, frérot! Plus le temps de jouer! Oui, j'ai vu! Je suis le vainqueur! Vraiment, tu crois? Merci! J'ai cherché un sac pour mon dofus! Allez, on emporte tout ce qu'on peut et on décampe. Et hop là. Allez, salut, copain. Dépêche, vite, vite. Oh, my God.
C'est bon, Ogrest. Nous sommes hors de danger maintenant. Ah, au salé, au carbone. C'est pas du lait, ça c'est sûr. Mais pour une fois, ton estomac nous a sauvés. Papa. Ogrest, content de revoir papa ou Thomas. Moi aussi, je suis content de te revoir, mon petit Ogrest. Je croyais t'avoir perdu. Pardon, papa. Allez, si on veut rattraper ces pirates, il vaut mieux ne pas traîner. On va récupérer mon sac. Les stones et Datura sont dedans. Datura ? Mais comment on sort ? Ne t'inquiète pas. Je connais un passage secret. On va vite les rattraper. Dépêchons, dépêchons. Chacha, rendre le sac de Thomas, sinon Ogresse va mettre raclée à Chacha. Et Chacha, rend le sac. Parlez cette queue des caflis. Un alchimiste et un chachaton. Notre cote est de combien, d'après vous? 10 contre 1. Vous avez entendu? Allez, rentrez chez vous. On ne vous veut pas de mal. Surtout à toi, gamin. En volant le Dofus, vous avez déclenché un mécanisme qui va provoquer la destruction de l'île. Mais avant qu'elle ne s'effondre, que diriez-vous d'un petit pari ? Un pari ? Oui, je vous fais le pari qu'avec cette fiole magique, je vais faire parler courte queue. Ça fait presque un an qu'on essaye et toi tu penses réussir ? C'est poilu l'alchimiste, poilu. C'est d'accord. Si tu réussis à faire causer mon frangin, le sac et le Dofus sont à toi. Alors, c'est parti. Oh ! Hein ? Il y a rien, qu'est-ce que tu... Hein ? Mais c'est lequel le bon ? Celui qui s'énerve quand on l'appelle Kiki. Hé, hey, Kiki ! Ben ça alors, où est passé papa Otomai? C'est bien joué l'alchimiste. La ressemblance est parfaite, au point de moustache près. Mais tu as oublié que nous autres, les écaflips, nous sommes dotés d'un odorat hors du commun. Bah, rien à faire, vous sentez aussi mauvais l'un que l'autre. Ah non, on va pas y passer la journée. Frérot, pour savoir qui tu es, je vais m'en remettre à la seule méthode fiable, le hasard. As, ram, cram, écaflip, écolégram, bourré, bourré, ratatam, je décide que mon petit Kiki, c'est toi. Le vrai courte queue, c'est lui. Trop tard, l'alchimiste, j'ai fait mon choix. Je m'en occupe, je vais lui raccourcir sa petite queue, moi. Alors, l'alchimiste, tu donnes ta langue au chat? Mais bougre de chacha, puisque je te dis que c'est moi, Kiki! Tu crois que l'alchimiste oserait faire ça? Arrête! Datura! Ogrest,
mal à la tête. Oh, ouf, tu m'en as fait une frayeur. C'est un sacré dur à cuire. Oh, oh, le cœur est à toi. Les chefs auraient pas coulé avec l'île quand même! Là-bas! Les chefs sont là! Oh bah ça alors! Tu veux bien m'aider? C'est toi qui... Comment t'appelles-tu, mon beau héros? Ogrest! Ogrest s'appelle Ogrest! Ogrest, quel joli nom! Ce que tout le génie scientifique d'Otomaï n'avait pu accomplir, une simple larme d'amour le réalisa. Que sert un cœur de battre, si ce n'est pour être aimé? Dis, papa, tu crois qu'Ogrest existe toujours? Qui sait, Hugo? Qui sait? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu veux savoir la suite? Oui! Ce sera pour un autre après-midi. Ah non, c'est pas drôle, raconte-moi! Allez, s'il te plaît!